au tournoi à Rose Colline. Que va-t-il se passer à Rose Colline? Ah, il va se passer un truc dans la ville. Sans doute, sinon j'aurais pu me TP au palais du démon directement. Qu'est-ce qui va se passer? Non, faut juste que je prenne le portail. Mais du coup, pourquoi je pouvais pas me TP directement au palais? Je comprends pas. Bizarre. Ok. J'avais déjà exploré, de toute façon, le palais, il n'y a rien d'intéressant. Juste la synthèse et c'est tout, quoi. Ah oui, mais attends, évidemment, dans mon palais. Bien sûr. Oh, Seigneur Psaro, vous avez de la visite. Il y a quelque chose qui cloche avec lui. Il ressemble à un humain, mais Bacor nous dit que c'est un monstre. Évidemment. Psaro, voilà. Tenez, voici mon trésor. Ah, une sésamite, MDR. Évidemment. Ah non, pas du tout, cap du héros. Ok. Tenez, c'est mon trésor à moi. Il m'a été donné par l'ami humain qui a pris soin de moi. Il sera sûrement très utile à un meneur de monstres comme vous. Il suffit d'en équiper l'un de vos acolytes. Ah. Au fait, pendant mon périple, j'ai entendu ceci. Dans le conflit opposant monstres et humains, l'un des deux camps sera annihilé. Je ne sais pas quoi penser. Pour moi, les humains et monstres peuvent vivre ensemble. Je suis d'accord. Ah ouais, on devrait faire ça, Psaro. Et je pense que vous êtes celui qui saura jeter un pont entre les deux espèces. Ah. Bon, il est temps que je retourne à Nerdiria. Au revoir et pensez à ce que je vous ai dit. Je sais, bah, normalement, on est sur Dragon Quest 4, hein, y a que ça, hein. Voyons voir, accessoires. Qui c'est qui peut le mettre? C'est pas dingue au final. Enfin, après, c'est toujours pratique. Toujours très défensif comme truc. Monocle de maître cambrioleur, ça fait quoi? Ça fait rien, ok. Cap du héros, protection! Ah oui! Protection, bang, glace et flamme. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, je mettrai à mes prochains monstres, je pense, là. Après une synthèse. Ouais, je pense on fera ça, hein. Il y a un médiculant ami dans tous les jeux, de toute façon. Non, quand même pas. Abuse pas, hein, dans des Q8 il y en a pas, hein, dans des Q9 il y en a pas. Déjà, deux exemples, alors que j'ai joué à trois jeux sur. Trois jeux principaux. Faut aller où maintenant? Je pense qu'il faut aller à. Mais je peux me TP peut-être. Ah non, putain, bon bah faut que je retourne à Rose Colline, hein. Il va encore se passer quelque chose. Je m'attendais à une sésamite qu'on me donnerait, mais non en fait. Peut-être quelqu'un d'autre qui veut m'enfiler une. Ah, c'est affreux, affreux, j'ai vu des humains dans la tour. Hein? Oula. Qu'est-ce qui se passe là, dis donc?
Ah! Utiliser le secret d'évolution? C'est comme si le brouillard s'était levé, mais attendez, vous comprenez ce que je dis? Le secret d'évolution, ce n'est pas un truc de vieux bourrin. Attends, quoi? D'accord, génial. Oh, attends, je peux le faire sur lui! Miaou! Ah bah oui! Trop bien! Miaou! Par mes moustaches, je parle, enfin, je crois, je pense que je parle et on m'entend parler. Merci Psaro, non terminé, je parle maintenant. Ah des barres, j'y ai pas pensé à le faire. Par contre, du coup, pourquoi il y a un... Ils ont peut-être fait rose. Ah, Royal, il est content là. Ouais, clairement, il y a un truc avec rose là. Ah oui. Bah non. Personne? Y a personne. Y a son père, frère. Qu'est-ce que quoi? Te revoilà, Psaro, j'ai quelque chose à te dire. En fait. Oula, 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 oula. Oula, attends, peut-être le changement de facette de Rose. L'élu est venu me voir. Pour être honnête, je l'ai trouvé très gentil, ses compagnons aussi. Après cette rencontre, j'ai compris que tous les humains n'étaient pas mauvais. S'il te plaît, renonce à ton plan. Reste ici avec moi, pour toujours. Ah, elle est vraiment amoureuse, quoi, genre. Ok. On n'avait pas eu le choix. Oh, le nom là, genre direct, il se casse. Mais comment ça? Oh, je suis mort. Que quelqu'un la tue, mon Dieu. Là là. Je ne peux pas te laisser continuer sur cette voie. Ah. Je ferai tout pour t'arrêter, même si je dois te perdre à tout jamais. Et ben ouais, chaud. C'est chaud là, un peu. Alors je peux aller du coup ici. Si tu peux encore aller au cercle de la conquête entre deux. Le niveau commence à être un peu balèze hein, d'ailleurs. Peut remarquer. Voici dans un nouveau cercle de Nadiria. Est-ce que je fais... Non, je vais pas faire de synthèse tout de suite. On va vite fait un peu explorer, voir ce qu'il y a comme monstre, et après... Synthèse. Et terminer d'explorer aussi le cercle. Ouh, toutes les fleurs, c'est joli ça. On est en été peut-être. Tout fait, par contre, il a l'air énorme. Attends, s'il y a toutes les hauteurs à explorer, c'est énorme. Comme c'est bon si on m'avait dit qu'il existait un tel endroit à Nadiria. Puissance de la déesse à nul autre pareil. Quel avis du faible si ce n'est qu'une simple brise? Ah, le revoilà lui. Salut mec. Voilà enfin, je vous attendais. C'était toi le surveillant dans le berceau de la corruption. Ah, vous vous souvenez de moi, j'en suis honoré, je me présente. Arago, bah il était temps qu'il donne son nom, le frérot là. Je viens réclamer la faveur que vous me devez de la dernière fois. Évidemment. La faveur, oh, pour nous avoir sauvés du Molosse. Exactement. Voyez-vous, un horrible dragon s'est installé non loin d'ici. Encore un dragon, évidemment. Ça y est, Dragon Quest, le vrai RP. C'est une bestiole interdimensionnelle répondant au nom de Dracover. Il s'en est pris à plusieurs lieux de Nadiria. Ok.
J'aime beaucoup ce petit coin de nature, c'est pourquoi je souhaite que tu m'aides à le protéger de cette menace. Ouais, ok. Merci mon prince, je savais que tu m'aiderais. Il y a un village tout près d'ici. Je t'invite à m'y rejoindre. Je pars devant. Par contre, c'est votre majesté maintenant, s'il te plaît. Hein? J'aspire à perdre la raison, la conduite de ce monde, car en ce lieu, je préfère contempler le paradis. What the fuck, c'est quoi ces trucs? What the fuck, c'est quoi ces monstres là? C'est quoi ces trucs de Gaulmont là? Ok, y'a quoi comme monstre? Oula! Un truc chelou là? Zombinator, ok. Y'a les bleus follets, donc ça a rien d'en faire un. Y'aurait du plantigrade. Y'a quand même des monstres à la con encore, hein. Genre Slurpillon, qu'est-ce que ça fout là, frère? Il doit y avoir un autre gluant. A voir c'est quoi. Un gluant que j'ai pas fait en tout cas. Peut-être que je vais le voir. Il y a du smilodon noir, du coup c'est con parce que j'en ai dressé un. Il y a l'abracadapresse là. C'est beau, c'est plutôt pas mal. On l'explorera la prochaine fois. Hein. Là je vais très clairement... Attends, il a fui lui aussi? Non mais me dites pas qu'il fuit. Non mais attends, je suis si OP que ça là? Par contre, pourquoi on est à nouveau au printemps? Il s'est passé quoi là? Ah non, lui il me chase, ok. Il y a un petit truc ici. Curieux. Herbe médicinale, c'est tout? Comment ça? Comment ça juste une herbe médicinale? Sérieusement. Bon, voyons voir un petit peu les monstres, comment ils sont. Hop. Eh ben ils sont éclatés au sol, voilà. Après mon scénaristique, le jeu revient au printemps. Ah merde du coup. Merde. C'est pas trop ce que je voulais. Pas de points. Ouais, je pense que je pars direct en synthèse, hein. Je me fais pas chier, j'avoue que là j'ai... Malheureusement, je pourrais pas trop tarder. Après le truc, c'est que la synthèse, ça donne envie de... Bah, de recruter à nouveau. Hein. De recruter, de resynthétiser, de re-XP. Mais vas-y, faut terminer quand même par des belles choses. A voir si j'ai beaucoup de choix. Parce que si j'ai pas trop de choix dans les synthèses, je vais peut-être aller capturer, dresser 2-3 monstres. Rejetons de l'enfer. Ok. Dans Waterloo, t'as quoi déjà? Bonus PV par la... Ah putain. Après, ça c'est bien. Ah, c'est chiant parce qu'en vrai, il est bien, mais. Ouais, il y a explosion magique quoi, mais je vais pas trop m'en servir. Après. Y'a quoi d'autre? Congélo et au feu. Attends quoi? C'est du génie ça. J'ai mis stocker de vent et stocker de feu, ok. Non, c'est le truc qui utilise tous les MP là. Euh...
Les stockeurs et stockeurs. Et je vais prendre briseur, je pense, ou espoir de glace. Il faut un sabre pour aller avec au feu. Ah, dommage. Bah là, du coup, comment je pourrais l'appeler le stalagluant, du coup, après au feu, là. Au froid. Ah, oh, c'est nul. Ok, je sais comment je l'appellerai. C'est incroyable. Moi, je vous dis son nom. Ah, oh, bah en plus, c'est une shiny, mais... MDR, Titanic. Oh la rêve très sombre. Non, moi je vais l'appeler. On slay. Gel. On slay gel, voilà. Ah là là. Pas mal en vrai, hein. Hop, alors je voulais combiner mes estoqueurs du coup, moi, en priorité. Stocker de pierre. Attends, j'avais quoi sur le nouveau là? J'ai stocker de vent et stocker de feu. Ouais, ok, donc il me faut stocker de pierre. Et l'autre, il est où celui qui a un autre stocker là? Attends. Lui, on a dit qu'il avait. Vœux et fan. Vœux et fan, oui, bien sûr. Feu et vent. Du coup, il me manque stocker d'eau. Ouais, il me manque un stocker d'eau. Je crois savoir c'est lequel. Faut que je le retrouve. Moi, c'est toi. On va faire lui, ce qui est un excellent monstre. Je vais lui donner... ça. Où est-ce que je monte encore ? PV max. Allez, partons pour ça. Stocker d'eau. Brise casque. Ouais, il a des bons trucs lui en vrai. Aquapothicaire, par contre, c'est de la merde. Est-ce que je mets. Je pense que je mets pas. On voit déjà s'il y a un truc. Boss du bourre pif canon à neige. Oh. Attends. Lame 2. Attends, c'est lequel qui a donné de quoi là? Je pense, bon, canon à neige, c'est ce qui donne des lames et tout. Attends, what? Ok, on a réussi à fusionner des stalkers, ça donne un bon truc, je crois. Est-ce que je garde les stalkers au cas où? Brison, Brister, Multipoint, Boss du Pourpif. Je garde les stalkers au cas où, je pense. Hein. Après, quoique. Entaille Gigaglace. Attends, il a quoi, lui? Il a pas entaille... si, il a entaille Gigaglace, lame d'éclair, Multipoint. Ah, ok. Il récupère un peu des deux. Ok. Intéressant. Bah, du coup, je vais prendre ça plutôt. Hein. J'espère que je fais pas de conneries. Normalement, c'est bon. Ok, donc on a déjà amélioré les stalkers. Une première fois. Lièvre corne noir. Comment je l'appelle ? J'appelle Roger. Roger Rabbit.
Parce que dommage que celui-là il soit pas chez Nîmes, parce qu'en vrai il est pas mal. Ensuite, on retourne dans synthèse inversée. Recherche inversée. Non. Non, je voulais pas faire ça. Tac. Donc on a le rejeton de l'enfer. Ouais, il est bien, mais ça me saoule que ce soit en fait avec lui. Parce que lui, il a bras de la justice et je veux l'utiliser pour autre chose, son talent, quoi. Monstro Poirot. Ouais. Ouais, je pense qu'on va le faire. Hein. Bonus PM. Ok, et toi, t'as quoi? Protection. Alors, ça peut être une occasion de maxer les protections. Je vais maxer son bonus PM à lui. Lui donner beaucoup de PM. Okay. Protection, protection, bonus PM2. On va voir, peut-être que plus tard on aura un truc magique avec explosion magique par exemple, parce que là du coup je développe les PM avec lui. On investit pour plus tard. Comment je l'appelle? Mauvaise herbe, hein, parce que là, on n'a pas trop envie de manger ça, quoi. La récolte s'est mal passée, hein. Hop. Croûtard. Pourquoi croûtard? Il n'y a même pas de croûte. Putain, il a une sagesse de fou, hein. Parce qu'il est moche. Okay. Ouais, j'aime bien mauvaise herbe. Est-ce que l'épéiste... Alors, on a Tigriffe, là, c'est quoi? Ça rend F. En quoi c'est une grosse synthèse? Pourquoi? Pourquoi en fait? Je comprends pas là. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est une synthèse en jaune? Parce que c'est un monstre rare? Je veux bien mettre lui, hein, mais... C'est pas incroyable, hein. On va maxer les sommités. Que ton monstre bête monte de rang. Ah, c'est juste une synthèse spéciale. Après, peut-être qu'il va être dur. Il est dur à avoir, peut-être le Tigriffe. Hein. Vas-y, en vrai, je m'en fous, je parle là-dessus. Hein. Je sais pas en vrai est-ce que je parle là-dessus. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Prend F. Après, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de façons de l'avoir. Hein. Donc peut-être qu'il faut faire ça. Hein. Bah non, mon monstre bête, regarde, il descend de rang. Littéralement. On passe. Il y a un rang D, il repasse rang F. C'est nul. C'est giga nul en fait. Genre, y a rien d'intéressant là-dedans. Alors après, il y a Dark Smilo, ça peut être un peu moins du gâchis. Il a quoi déjà à mort incertaine occultiste? Bon, il a rien lui. On va faire avec lui, hein. Qu'est-ce qu'il a quoi? Pas grand-chose.
Juste un coup j'arrête. Prendre ça. Toute synthé spéciale dans le cadran jeu. Oui, ça je sais, mais du coup c'est vrai que c'est bizarre que ce soit une synthé spéciale alors que je baisse de... Je baisse en rang, tu vois, genre c'est très chelou, tu vois. Bon. Ça se trouve j'ai pas de bête en F et c'est n'importe quelle n'importe quelle bête avec un mot mignon, ça donne Tigriff, ça doit être ça. Ça doit être ça, bon. Synthèse quand même, hein. Pourquoi tu le veux lui? Parce que je veux compléter la monstrothèque tout simplement. Vas-y, lui ce sera. Allez. Merde. Sherkan. Je crois que ça s'écrit. Ah, attends, il y a peut-être deux A. Attends, je sais plus. Oh là, oui, non, c'est pas du tout. Ah oui, ok, oh putain. Pas du tout comme ça. Mince. Waouh, le tigre dans, dans le livre de la jungle, c'est pas du tout comme je pensais. Voilà. Hop. Ouais, moi j'essaie vraiment de faire toute la monstrothèque peut-être un jour. Je suis déjà quand même à 40% je crois, hein, donc je suis vraiment pas mal à hein, ce stade du jeu je trouve. Il y a quoi d'autre du coup, ouais. Parce que l'épéiste c'était... C'était forcément avec le nécroponé, ok. Rendez. Bonne attaque, bonne agilité. Ils ont quoi eux? Protection bang, protection séisme. Ouais, moi j'essaie de faire ça en même temps que je complète le jeu, tu vois. Comme ça, je me fais pas non plus des mobs trop forts dès le début pour pas rouler sur le jeu. Putain, c'est pas mal ça! Chevalier servant. Il a quoi lui déjà? Soigneur, médiateur. Ah oui, putain, lui c'est mon soigneur. Futur soigneur peut-être. Corne bidouille, t'as quoi? Bonus PV. Ah non, du coup. Après, c'est vrai qu'il a des PV, lui. On va rester sur le bouclier. En fait, des stats d'abord. Comme d'hab, j'aurais pas dû en mettre autant. My bad. Après, là, du coup, c'est pas très adapté. Ah, j'ai un nouveau défenseur, en vrai. Là, je peux mettre défenseur. Hein, pour lui. Ce serait un bon monstre utilitaire, en vrai. Chevalier servant, défenseur, briseur de sommeil. Voilà. Bon, je pense pas qu'il sera dans la même team, mais voilà. Ok. Parce que l'épéiste. Ah, évidemment, ouais, si t'appelles Nocturnus, c'est pour avoir, Nocturnus. Comment je l'appelle, ce que l'épéiste? Pour revenir sur Baldo, c'était le... Par rapport au squelette dans Dai, qui s'est occupé du Hunkel. Plus je crois que c'est vraiment un squelettéiste, donc c'est plus approprié. Plus accurate.
Donc là, la question, c'est est-ce que je fais une putain de synthèse avec lui, là? Ça me casse un peu les couilles, hein. Mais après, c'est vraiment pas mal, hein. Disons que là... Bah, en vrai, c'est pas très grave, hein, parce que c'est plus un soigneur, mais j'ai bonus PM. Peut-être que je pars là-dessus, hein. Fait un peu chier dans le, de perdre de soigneur, mais bon, j'ai un autre monstre qui pourrait l'avoir et c'est pas dur à avoir comme talent vu qu'il y a les médigluants qui l'ont. Avocat du diable. Je sais pas. Bras de la justice en plus. De toute façon, je vais maxer bonus PM hein, pour explosion magique. Donc ouais. Rip soigneur. Bon. J'en aurai d'autres. Et puis en soi, il soigne toujours un petit peu, donc c'est pas... Voilà quoi. C'est pas très grave. Comment je l'appelle lui du coup? Oh, rejeteau de l'enfer. Lava gogo. Smogogo et lava gogo et lave, tu vois. Pardon. Hop. Mon Rushmore. Oula, oula, oula. Et rêve de Warcraft là. Je crois. Non, c'est mon Roche Noir. Oh, je sais plus. Non, mon Rushmore, c'est... Attends. C'est là où il y a les visages, non, des présidents. C'est pas ça? Sculpté dans la pierre, là. Ouais, c'est bien ça, ok, ouais. Ok, ok, ouais. Bon, pff. Un peu violent, là. Nocturnus, c'était très violent. Hein. Ouais, pendant un instant, j'ai bugué, tu vois. J'ai un peu bugué. Poursuivre la synthèse. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, la synthèse, toujours, toujours. Mec taré. Synthèse, synthèse. Allez, indiquer un géniteur maintenant. Alors. Donc en vrai. On commence par qui? Qui sont mes monstres? Les monstres de ma team. Ah oui, là. Ok. Toi d'abord. T'es avec quoi? Avec Gollum. Ah. Gollum, il a quoi déjà? Mauvais génie, bonus PM. Ah ben non, mais lui, j'aimerais bien le synthétiser du coup avec... mon prochain truc là. Donc non. Barondos, c'est Gollum aussi. Kobonga. Alors, c'est cool, mais lui, tu vois, il a trop d'en bonus défense. Après lui, tac. Il y a que bonus attaque. Je vais regarder un peu. Mais no macho, ça déjà c'est mieux. Hein. Ah mais du coup c'est ça claque mon monstre rapide là. Seigneur. Bonus attaque 2, forcené. Ouais non c'est pas dingue. Enfin c'est bien mais...
Voilà quoi. Numésis. Nujad. T'as quoi, Nujad, toi? Bonus PM, sac de ville. Après, c'est pas un monstre offensif, quoi. C'est pas un monstre basé sur l'attaque. Mais là, du coup, ça fait un monstre basé sur l'attaque ici. Pourquoi pas? Cri nocéphale. Intéressant aussi. Mais c'est avec lui, donc non. Je pense qu'on on retourne sur un ratatouille. Moi, je propose... voilà. Le mec, il fout tout en l'air, tu sais. Smilodon, ouais, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien Smilodon. Hein, pour taper giga fort. Metallica, c'est quoi tes stats? Bonne attaque, ok. Shiny Snake, bonne attaque aussi. Mustang de mer. Oh, il a encore une meilleure attaque. Y'a quoi, Aquapothicaire? On va faire un Smilo, hein. Porcené, pourquoi pas. De toute façon, je prendrai pas. Voilà. Voilà. Hein. Un Smilodon. Et ce Smilodon, bah, c'est Smilo, hein, tout simplement. Hein. On peut pas l'appeler autrement. Hein. Dommage qu'il soit pas shiny. Tac. Hop. Poursuivre. Hop là. Ensuite, je vais essayer de synthétiser ensemble mes esthètes pour voir s'il y a des trucs qui se passent. Du coup, toi t'avais quoi? Mort incertaine et stocker de feu, bonus défense, ah, ok. Ok. Alors, si, alors toi t'as esthète de tornade. Qu'est-ce qui pourrait faire le sens en termes de trucs? Tête de glace, avec quoi je pourrais mettre? Bah en vrai on a eu un combo entre glace et... Ah mais non, c'était entre glace et ouais. En plus on a rien de nouveau en termes de monstres. On va regarder. Il a que les stockers d'eau. Il n'est pas trop sagesse, mais c'est pas très grave. Il a le temps de. Il a le temps de changer. Donc là j'ai tout mis. Hein. Et là non. Putain, il propose pas de nouveaux trucs. Ah. Faut faire les bons mélanges, ça veut dire. Esthète de glace avec toi peut-être. Donc c'est qu'il y a le plus de sagesse dans tout ça, je pense que c'est... oui, c'est bien évidemment l'abracadabrac. Hein. Ah, sein de glace. What the fuck? What the fuck? Oh Théma, oh ce qu'il a, oh mon dieu. Giga plouf, giga tornade, giga fou, giga glace, giga crabe. Oh mon dieu. Oh c'est magnifique. Donc je peux mettre sein de glace. Plus bonus sagesse. Et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qu'il a pas? Il n'a pas de... Alors, plouf, tornade, crame. Tranquille, les sorts du 7-1. Oh, je suis mort. Il a pas séisme. Mais il lui manque un petit peu de mono-cible là-dessus. Donc en vrai, on va reprendre esthète de flamme. Parce qu'il a giga glace, hein. Oui, logique. Oh là là. Oh là là. Oh, ça y est, la prophétie. Oh là là. La fusion des esthètes. Elle commence. Ah bah là c'est... Abracadabra, voilà c'est tout.
Wow, c'est juste la suite de Esthète de glace. Mais non, parce que Esthète de glace amélioré, ça donnait rien. C'est quand tu fusionnes. Là, j'avais quoi? J'avais Esthète de tornade et Esthète de glace terminé. Voilà ce que ça donne. Donc c'est ouf. Ok, est-ce que j'avais pas d'autres esthètes? Me semble, j'avais d'autres esthètes. Non? Attends là les gars. Là j'en ai pas d'esthètes là-dessus. À part lui du coup, voilà, ça c'est le nouveau. Sommité, ouais, ça aussi faudra que je fasse un truc avec lui. Il y a lui qui a esthète de foudre et d'élec. J'avais pas esthète de crame. Quelque part. Ah, si, c'est toi. Ok, il y a moyen que ça donne un truc entre les deux là. Peut-être. Voyons voir. Bûcher charcuteur. Ah bah voilà, on a l'opposé. Oh là là, oh let's go. Oh let's go. Oh là là. Giga séisme, giga flamme, giga élec. Donc qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque globalement un peu d'AOE. Donc. Ouais, il y a giga manque quoi, mais c'est tout. C'est tout, hein, pardon, excusez-moi. Du coup, on va prendre, je pense, esthète de crame pour compenser. Ouais, comme ça j'ai giga crame. Ouais, ouais, ça ressemble beaucoup à ça, hein. Étonnamment. Esthète d'élec. Non. Qu'est-ce que lequel je garde? Parce que j'aimerais bien avoir des trucs de buff, des buffs encore. Esthète de crame, il y avait quand même, voilà. Il y avait super tilt, donc c'est bien. Il y a super décuplo dans... Pas longtemps avec ça, là. Est-ce que je pars là-dessus? Ou est-ce qu'il vaut mieux? Non, je pense super tilt c'est... Ah, y a la super tilt, mais la super décuplo c'est 80. Ouais, vas-y, je pense que je pars là-dessus. Parce qu'après, il y a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Stalker d'eau, c'est... Cocorico, ouais. Ok. Oh là, ça donne de ces trucs, là. Mama, on se régale. Bah lui, c'est vraiment... Tiens, et en plus, il a des flammes autour de lui, là. Comment je l'appelle? Rah, là. Il me faut un nom, là, qui en jette, là. Par rapport au bûcher charcuteur, là. I don't know. Ah là là. Un truc avec crame serait bien, mais j'ai pas trop d'idées. Gluant de croc. Pourquoi de croc? C'est Senya, ça. Hmm? Comment ça? Ah, je sais. Les chaussures. De quoi les chaussures? Je comprends rien ce que tu dis. Pourquoi déjà gluant de croc? Tu vois, faut un truc par rapport à la magie, tu vois.
Et saignant les chaussures, j'ai pas compris. Non, je sais. Je sais comment je l'appelle. Hein? Ah, c'est ta tablette, je comprends. Enfin, du coup, je comprends ce que tu dis, mais je comprends que tu galères. Non. Les crocs au pied. Hein? Ouais, incinérateur, ça... Ça... On sent il est violent, tu sais. Poursuivre. Alors, Éventeur, on avait quelqu'un qui avait bonus PV ou pas? Ah, les crocs! Ah putain, j'y ai pas pensé, ok. Ouais, bon, rien à voir avec le feu et tout ça, quoi. Ouais, rien à voir. On n'était pas du tout sur le même truc. Mais ok. Oh! Destrier de l'estran. Marrant, ça. Est-ce qu'il y avait un autre sommité de quelque chose dans mes monstres? Il y a lui qui a tous les sommités, donc ça c'est bien. Non, je dirais pas. Si je synthétise lui et lui, ça donne quoi? Ok, je pense que je vais partir là-dessus. Commencer. Ça donne pas de PV ce truc, donc éventeur à fond. Ça voilà. Popstar si tu veux. On prend éventeur. Ça servait à rien du coup de mettre des points là-dedans, je suis un peu con. Tant pis. Tant pis, c'est fait hein. Cœur dragon qui a pas l'air dingue honnêtement. Crash flamme, je l'ai déjà là. Ouais, je l'ai à 2 points, MDR. On va reprendre ça pour les PV. Destrier de l'estran, mais putain, mais comment je l'appelle ce mec là, il ressemble à rien. Hippo souffle. Hippo nul. Ouais, bah si nul que ça. Il est pas terrible pour l'instant, mais il y a un espoir de souffleur, donc hippo souffle, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais faire? Ouais, des bonus PV si possible. Pas synthétiser des mobs qui avaient bonus PV. Ça c'est quoi? Un médiateur, ouais on s'en fout. Ouais mais ça donne pas grand chose. On va retourner en recherche inversée. Indiquer un géniteur. Alors. Toi. En quoi peux-tu évoluer? Dragonnier de l'enfer, et du coup c'est avec Gollum. Gollum, c'est quoi son avenir à lui déjà? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Gollum c'est pour explosion magique. Ouais. Il
Faudrait que je synthétise dans un truc qui est qui a des PM du coup, Gollum. Qui continue de scale. Ok. Du coup, lui aussi, voilà. Ok, lui. Il y a des trucs différents. Lézard suzerain. Oh, c'est pas mal ça, étant donné qu'il a une défense de fou furieux. Faire un truc qui tape fort. Toi, t'as quoi déjà? Non! Pyrotechnicien, ça c'est cool, mais c'est pas ce que je voulais voir. Je voulais voir les talents de lui. Bonus PV, remédiateur, ouais. C'est pas hyper. Après là, je peux mettre un petit peu d'attaque. Il attendra pas l'attaque plus 8. Nuit blanche? Ouais, non, on va bientôt s'arrêter, Choco. Salut. Briska, en vrai c'est bien ça. Hop, je mets là-dedans. Tac, lui c'est bon normalement. Pyrotechnicien, est-ce que je prends quelque chose là-dedans? Ouais, je sais pas. Hein. Ouais, je vais peut-être prendre en vrai. Ouais, je prends Briscard. Protection séisme, voilà. Bon, les bonus, on n'en a plus besoin. Ouais, PM sagesse, on s'en fout. Bon, après, je sais pas. Hein. Prendre ça pour... Non, quoique, en vrai, je pense que je vais mettre un... Non, je vais lui garder de la défense pour l'instant. Ouais. Ouais, j'étais con, du coup, dans les points. J'ai pas réfléchi avant, mais... Bon, c'est pas grave. Lézard suzerain. Très violent comme monstre. Comment je peux l'appeler ? Vassal. L'inverse, tu sais. Le vassal, le suzerain. Poursuivre. Là, quand j'ai fini synthèse, après, je pars un peu pex et c'est tout. Globalement. Soir, je n'ai qu'un. C'est vrai qu'il les stocke, hein, le lézard suzerain. J'avoue que c'était une idée pas trop mal, ça. Shiny Moisi, qu'est-ce que t'as comme évolution, là? Ah, mais c'est avec Gollum, évidemment. Attends, par contre... si, ça peut être très intéressant, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Attends. Ah, non. Merde. Non. Ni démon, attends, y'a quoi? Irwin. Sommité des sorts. Putain, y'a pas des trucs très intéressants, ouais. Putain, mais il a full PM, lui. Maître nageur. Toi, t'as quoi? Vue d'œil, surprotecteur, c'est avec méga faucheur. C'est chiant parce que là, je perds un... Genre, en vrai, c'est pas mal, hein. Putain, j'ai même pas fini mon vieux agilité en plus.
il est un peu nul, hein. Lui, c'est... Attention, le soigneur. Après, bon, il est pas incroyable, hein. Puis un soigneur, ça a besoin de go first, donc avec de l'agilité, c'est bien. Ouais, ouais, ça peut être intéressant, ouais. Les rois gluants, autres que le normal, sont souvent intéressants au niveau synthèse. Ouais, ouais, faudrait que je vois. On aura d'autres occasions d'en faire. Mini démon. Comment je l'appelle? Comment je l'appelle? Il y a eu Merlin à chaque fois, peut-être qu'on peut changer. Bon, je remets Merlin, pire. Vu qu'il n'y a plus de diablotin. Voilà, on peut dire qu'il évolue en quelque sorte. Ouais. Poursuivre. Il faudrait que je fasse après. Attends, j'ai tout synthétisé après. Je crois que tous les estates j'ai fait. J'ai fait mon super bourrin. Chercher pour lui. Parce qu'en vrai, Randé, c'est fort. Visker. Ouais, non, c'est... c'est que des petits... Des monstres de petite taille. Je suis très déçu. Dommage, parce qu'on me proposait de bons trucs. Ouais, en Gollum, j'ai envie de voir un peu... Ce qui est proposé. Lui, il a quoi, briseur, ouais. Roi sur pitre. C'est avec quoi? Moglut à quoi? Briseur. Émollient. Après, là, il y a pas mal de... Ouais, pas beaucoup en vrai. Monde gluant, c'est des PV en bonus qu'il a. Chevalier servant. Je laisse de côté pour améliorer mon dragon. On va peut-être du coup Moglu. Hein. Attends, voyons voir un peu niveau stats. PM 38, donc que dalle. PM 73, c'est mieux. PM 4... 97. Attends, what? Il est... Ah oui, les détruisent. Ah putain. Bon bah vas-y, go lui. Hein. Ok, j'ai fini bonus PM, parfait. Ça non. Je reste là. Hop. Non-conformiste. Multi-soin. Putain. Giga-crabe. Ah oui, mais pas mal, d'accord. Pardon. Pardon, monsieur. Oh là là, mais j'arrête. Faut que j'arrête de mettre des coups de pied dans ma tour. À un moment, elle va arrêter de fonctionner. Bonus PM2. Très bien, ça. On est sur un truc pas trop mal. Roi sur pitre.
à synthétiser. Comment je l'appelle par contre? Oh, il fait un peu viking en vrai. Je trouve, il y a un petit air. C'est un viking. Pas du tout, hein, mais... Elle t'a insulté, ta tour? Bah, non, 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 c'est juste qu'elle est mal placée. Je sais pas comment la placer pour que... Viking Kula. Par rapport à Dracula, ouais, c'est un peu... Viking, viking, faisons... Du simple, efficace. Viking Kula, je trouve ça... À lire comme ça, ça fait un peu bizarre, je trouve. Qui c'est que je voulais faire pas mal évoluer aussi. Pourquoi pas toi, toi aussi là t'es en C. Qu'est-ce qu'il me propose pour lui? Supitre, ah bah tiens. Avec qui? Avec une gluante ou le monde gluant? Très bien, allons-y hein. Protection foudre, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, il y a des PM. Vive les PM. Hop. Saltimbanque. Why not, hein? Justement, ah, c'était fait exprès que ça soit bizarre à lire, d'accord, ok. Bonus PM. Bonus PM, je pense, je mets. Ouais. Comment du coup on l'appelle? Putain, du coup j'ai mis viking pour l'autre, donc lui c'est quoi là? C'est... Comment je l'appelle? Vicula. Voilà. Comme ça on reprend un peu l'idée de... De royal. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de mec king du coup, puisque c'est pas un roi, donc juste Vicula. Ok, je pense qu'on a presque fini la synthèse là globalement. Je vais aller directement dans rechercher. Alors, cac-tac. Gratatouille, je suis curieux de voir avec quoi il me propose, parce que je l'ai jamais encore trouvé. Ah oh bah non, mais c'est de la merde, mais mec, je vais jamais faire ça. Ah bah d'ailleurs, Rafu, qu'est-ce que vous me proposez avec lui? Ce serait que ça en rendait. Parce que attendez, là il me reste quoi? Rend E... Rend D... En vrai, j'en ai quelques-uns de rend D. Ah lui, attends. Attends, lui c'est un très bon, lui. Il me propose jamais de gros quoi. Inno Macho. Ce serait un tien. Togre. Ouais, y'a rien de dingue. Oh, si, voilà, Fléogre. Excellent, ça. Voilà. Attends, mais il est excellent, celui-là. C'est quoi? C'est un monstre C, en plus. Bon, là, c'est de la merde. Ce que tu me proposes, toi. Mais toi, par contre, t'as des bons trucs. J'ai mis bonus attaque. Gros bras. C'est pas incroyable, mais vas-y. Bonus attaque. Et donc là, il y a multi coup franche, paralâche, attaque plus 48, ce qui est quand même énorme.
Matérialiste, il n'y a rien. Forcené, attaque plus 36. Danse de l'épée, ah oh, c'est fort ça. Et aussi paralâche, multipoint, ouais je prends ça. Ok. Très bon nous aussi. Ah merci. Lui, du coup... Ah, du coup Fléopold c'est par rapport à ça. Du coup on l'appelle Fléopold, voilà, on dit que Fléopold a rejoint l'équipe, tout simplement. Voilà. C'est le général Fléopold. Celui qui nous a trauma. Alors ensuite avec toi. Wyvern. Malabar. Ou Gratatouille. Bon, c'est vraiment de la merde ça. Ça c'est avec quoi? Ok, il y a du choix. Et ça? Avec Metallica. Ah putain. C'est chiant ça. Ok, on va partir sur lui du coup. Tout à quoi, Dardanian? Breezer. Ouais, il y a plein de Breezer, donc on va le garder. Bonus sagesse. C'est pas dingue. Avec lui, hein, qui est assez complet. Ça, on peut garder les points. Voilà. Mise à morse. Comment on l'appelle? Oh là là. Moi je dis Morse, donc message codé. C'est nul, c'est de la merde. C'est tellement nul. Oh là là. Je sens qu'il y a moins de monde, donc je vais arrêter en vrai. De toute façon, faut que j'arrête ici 2 heures. Je pense que même ceux qui sont encore là, ils fatiguent. Faut qu'on aille tous se coucher. Faut juste que je termine ça. Au pire, on fera l'entraînement la prochaine fois. Comme ça, j'aurai très envie de reprendre et tout. Du coup, ouais, à la limite, il y a juste Metallica. Morse codé, hein? Ah, ouais, ok. C'est vrai, pourquoi pas. Corollaire, est-ce qu'il me propose un truc? Bah vas-y, hein. Bonus sagesse, briseur d'applaudissement. Bon génie, lui, là. Ah, briseur d'applaudissement aussi, ok. Ils ont deux... Non, ils ont un seul truc en commun. Je sais pas ce que je me mets là-dedans. Parce que, bon, ah, je vais maxer... Briseur d'affaiblissement, à mon avis. Histoire d'avoir au moins quelque chose. Anesthésiste. Bon génie et briseur. Comment il s'appelle lui? C'est chiant. Parax, voilà. Tout simplement.
s'emmerde pas. Et est-ce que il me proposera un truc peut-être avec Metallica? Il y a eux quoi. Toujours, mais bon. Ah putain, il y a des trucs. Frigornosaur, ok. Gezar. Putain, il doit être gaze lui. Ok. Abyssosaur, ça c'est stylé par contre. Shiny Seer. Je suis assez chaud pour ça. Il manque un point, c'est un peu sad. Des venteurs hein, dans le doute, c'est quand même un dragon. Ouais. Comment je l'appelle Terreur. Abyssosaur, j'avais appelé comme ça. C'est la terreur des abysses. Je me rappelle quand je jouais à des QMJ1, j'appelais souvent comme ça l'Abyssosaur. Bon, est-ce qu'on check? Vas-y, on check quand même pour les rangs E, peut-être qu'ils ont une grosse upgrade, on sait pas, hein. Attention. Alors peut-être. Voilà, aucun monstre trouvé, nickel. Ça c'est carré. Et carré, nickel. Bon bah je crois qu'on a fini. Hein. À moins que, attends. Si je mets aucun géniteur. Bah c'est bon. Voilà, on a tout fait, globalement. Là c'est-à-dire que dans la synthèse, à chaque fois, il retrouve des trucs différents. Après peut-être qu'il y a des trucs que j'ai envie de retrouver. Genre... Toi t'avais quoi Cupidon. Bah non, c'était pas dingue. Naturopathe, chevalier, servant, espoir, ok. Cafardeur. Ah oui, ok, on a des naturels. Ok, donc c'est que lui qui peut trouver des trucs intéressants. Ouais. Et bénévole qui est bien, mais... Je pense pas que ça donne grand chose. Du coup, ceux-là, on les garde. Tard. Continue à expérimenter avec la synthèse. C'est une excellente manière d'obtenir des monstres plus puissants. Eh oui. Qu'on a en vrai. Bon, ceux-là, c'est sûr, on les garde. Hein, Saint de glace et bûcher charcuteur. Forcené, oui. Toi, t'as quoi? Éventeur fou. Ouais, non, t'es pas un dingue. Pas incroyable. On va prendre toi déjà, c'est sûr. Lui, là. Ah oui. Soigneur, c'est vrai que c'est bien, mais bon. On va prendre lui. Lui en vrai, il y a moyen qu'il soit fort. Hein.
Après, il a que 73 d'attaque niveau 1, alors que mon lézard, il a... Ah non, lui, c'est celui qui a bonus défense, attends. Lui, il a 144 d'attaque. Mais bon. Éventeur fou, donc c'est pas dingue. Je pense que je vais quand même prendre garder celui qui a soigneur. Attends, il avait quoi, lui, déjà? Parce que, attends... Toi, t'es rendé, rendé... C'est vrai que j'avais fait aussi lui, saltabank. Putain, il y a lui qui est fort, c'est vrai. J'ai oublié. Lui, il a rien de particulier. Lui, pareil, c'est juste un stalker, faut que je prépare ça. Rendé... Il y a un rancé là qui est fort, mais c'est tout. Bon, eux ils sont rendés, c'est un peu nul. Mais au moins ils ont des bonnes compétences. Canon à neige, boss du bourre-pif, c'est quoi ces trucs? Est-ce que c'est ces trucs de Gaulemont là? Oh là là. Ça me termine. Saltimbanque. Attends. C'est du monstre. Danse de conjuration, ah ouais putain. Ok, bon il est pas très utile du coup. Lui à la limite. Après j'avoue que... Ah on peut changer de nom, mais voyons. Il y a une bonne sagesse, hein. Son partiel, rappel. En fait, c'est résurrection qui est long à atteindre. Ça, c'est chiant. Mais je vais peut-être le prendre. Parce que lui, en vrai, il est pas si fort que ça. Il a ça, quoi. C'est bien. Mais en soi, en stat, pas grand-chose. Prendre un soigneur dans la team, sinon ça va être compliqué. Voilà. Reviens quand tu veux. Moi, après il rigole, lui, bizarre. Il est bizarre, lui, je reconnais. Hein. C'est un mec bizarre, ça. Bon, alors, du coup. On va save, juste m'équiper, faire un ou deux fights et voilà. Accessoire. Toi. Qu'est-ce que tu mets? Ça. Littéralement. Toi. Anneau du mage. Ouais. Toi. Ah, c'est ça qui augmente, ok. Je pense que je le mets sur lui. Cap du héros. Oh oui, putain, ça c'est trop fort. Hop là, voilà. Merlin. Monocle de maître cambrioleur, ouais. Lunettes d'érudit. Et toi, plus d'oreilles nébuleuses, je pense. Tatouage de costaud. Aussi, c'est vrai que j'ai ça. La boucle d'oreilles nébuleuses, c'est fort. Hein.
Est-ce que vous pensez que je peux faire un fight dans cette zone avec ma team là? Est-ce que je vais me faire éclater? Allez, on essaye. Salut Chelonia, bienvenue. Attention, la destruction. Ah bah non. Putain, c'est vrai que j'ai pas mes... Oh si, ça va, j'ai méga bang. Oh, il met du 62. Il met du 62 de base. Oh là là, ça va être un massacre. Ça va être un massacre, cette zone. Et là, du coup, ouais, ok. Donc, c'est bien l'item qui me donne de l'XP en plus. Oh là là. Ouais, j'ai trop... Non mais regardez les gars en stats, mais oh là là, plus 67 PV, 47 d'attaque. 48 d'ailleurs aussi le gland de crin. Pff, oh là 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 là. Oh là 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 là. 39 points de talent. Bah allons-y, mettons-les. Allez, bonus attaque, let's go. Ah, peut-être que je vais apprendre des trucs là-dedans, parce que c'est très fort, forcené. Et ben, sang de glace, let's go. Oh là là. Oh, mais je peux déjà. Oh, je le connais déjà. Oh là là. Oh, oh. Mais OMG. Comment ça se fait que j'avais tous ces points de côté? What the fuck? Bon bah. Esthète de flamme, au final, il va pas servir à grand chose. Allez, tu peux peut-être aller chercher méga flamme. Et super décuplo? En vrai, ouais, super décuplo. Ouais, c'est pas top le gland crin, mais de toute façon, j'ai avec ça comme monstre de rang assez ok. Oh là là, mais abracadabra qui devient, mais. Pff, oh là là. Ça me termine, je peux mettre tous les spells d'un coup là. Oh là là. Ah, vraiment, c'est tellement satisfaisant. C'est pour ça que je laisse la barre défiler en mode. Hop, hop, hop. Niveau, niveau, niveau. C'est incroyable. Alors bon, du coup, lui, on va maxer, hein, bonus défense. D'accord, bah c'est bon. On a maxé, voilà. Enfin. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant là-dedans? Il a pas grand-chose d'intéressant, hein. Je vais prendre l'âme de feu et fin. Globalement. Toi, faudrait que tu termines bonus agilité. Bon, je vais chercher soin partiel, quand même, pour la safe-itude. Et après, bonus agilité, on met... bras de la justice. Est-ce qu'on max ça maintenant ou est-ce que on part sur bonus? Ah bah attends, mais bonus PM, je peux le finir en fait. Ah là, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Voilà. On est bien là. Il reste plus que lui du coup qui a gros bras. C'est pas dingue hein, gros bras, hein. Honnêtement. On va faire forcené, hein. Forcené, c'est fort, hein. On va maxer d'abord l'attaque. Ok. Et sur ce, je vais save, hein. Désolé, Chelonia, tu viens d'arriver, mais moi, ça, faut que j'aille me coucher, hein, globalement. Et encore, avant de me coucher, j'ai des trucs à faire. Donc, ouais, tant que je m'arrête.